à ce jour, on peut affirmer que cette fois-ci, c'est non seulement les Kuluna, mais aussi les bandits à main armée qui terrorisent la population kinoise, armes à la main, et qui font des visites domiciliaires pour dévaliser les citoyens. Ils sont aujourd'hui dans les filets de la police. Et voilà pour ce soir. Pour la plupart, il s'agit de la commune de Mongafula, dans le quartier Tchad, vers entre Mama Koko, à Kimbondo, et aussi ceux de Kisenso, Ndjili et Matete. Oui, nous vous avons dit qu'il n'y a qu'une seule poche de résistance, notamment vers le quartier Kaouka. Et les stratégies sont en train d'être peaufinées pour que ces quartiers aussi soient maîtrisés, comme on a maîtrisé Makala en arrêtant tous ceux qui ont semé la terreur dans cette commune. Et on doit vous rappeler que tous les Kuluna qu'on a déjà eu à arrêter sont tous en prison. Et aujourd'hui, les audiences continuent en prison. Les audiences publiques continuent à se tenir, qui vont aboutir à des condamnations. Et cela va permettre à ce que on puisse encore réduire cette fatalité. Il y a les lots, les alibatos, les côtés de la cabatoura, les bandakou, les machettes, les mandoki, les calibre 12, qu'on a botola bango, biloko na bango, na misolo na bango. Ndenge tolobaki ke police a salaka oyo babengaka enquête criminelle. Tala résultat ya enquête wana e permettre biso kotia maboko ya ba association ya ba malfaiteur oyo baza associé même na batu ya Matadi, même na batu ya Angola, baza kouta Angola kokotela batu na ndako, ba réussir ko se soustraire bango wana na maboko ya la police. Pour être baqué n'est pas à Jusipé au Sambisa. Les Akaba Kulunate, les Amena, Naba Bandu, Baboto, la Kabatou à Moto, Nabato, Baboto, la Kabatou à Mongo, va changer, avec Nakouiba va changer. Bon, Bangwa, non, mon Ibo, son Ibo. Oyo filet, j'ai mis un côté à commune à Mongafula, notamment, va côté la Kibatouna, Kimono, Nazela, Mama Koko, Bakangami, va y côté la Kibatouna. Côté à Tchad, toujours dans la commune à Mongafula, Bakangami, na Kisenso, na Ndjili, au Batunaki Ndjili, Ndjili, quartier 10, Bazali Péao. Merci. Nous avons un peu de temps où il est déjà en prison, il est sous mandat d'arrêt provisoire, il est sous Sambi Sakabango déjà. Kalamingite, la population à Kinshasa est sous verdict, donc la condamnation à Bango. Et puis, vous dites que vous avez un sali moratoire pour que la peine de mort. Mingi kati na bango, bakozwa ou babengi peine de mort. Bakate li bango, pour boma bango. Tango juzi akukata makambo wana, et si, na banzi ete na méthode wana, criminalité, eko kita lisusu makasi koleka. Alias Rishi Yamboka, repris de justice, c'est le chef de bande. Présent, quartier Miten, dans la commune de Mongafula. Deux, une machette a été saisie entre ses mains. Numéro 121, quartier 5, Kaluka, dans la commune de Kaliema. Monsieur le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, mon général, Monsieur le commissaire provincial adjoint de la police ville de Kinshasa, mon colonel, Monsieur le chef de département et commandant
de grandes unités rattachées à l'état-major du commissariat provincial. Distingués invités, à vos titres et qualités, nous voici pour la troisième fois en ce mois de mars, réunis ici pour vous présenter et présenter également au public quinois les résultats d'un travail fastidieux avec les moyens de bord depuis que monsieur le commissaire provincial a initié sous son autorité une série d'opérations spéciales en vue de combattre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, dont le phénomène Kuluna également. À cet effet, les unités du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ont eu à mettre la main sur 15 bandits à main armée qui ont terrorisé la population de la ville de Kinshasa. Il s'agit de la première bande, soldats de deuxième classe, Katanga Lilonge Peter. Le ministre de Mokhtar, communément appelé Wewa, est sous menace, alias général libéraux, à ne pas confondre la Bakozio et Abissou.